sing the love song. The death of the mother. The education of a young girl. Tempérament et de volonté, une pauvre fille, faible, crédule, démunie et impuissante. Elle n'avait rien de sa mère. Oh, ça non! C'est de son père qu'elle tenait. Sa mère avait pris soin d'assurer tout le nécessaire pour elle-même et sa fille lorsque le père de celle-ci mourut. Non, pas de maladie, mais de son impuissance à vivre. C'est alors que lui, le monstre de notre histoire, renoua les liens qui avaient existé entre la mère et lui. Lui qui avait été écarté au profit du père, cet homme aux grands yeux naïfs et aux cheveux blonds pâles, écarté au profit de cet imbécile-là qui possédait une fortune. Mais lui pourrait tirer un trait sur tout cela en échange de cette fortune. Ce qu'il voulait en guise de dédommagement, c'était cette fortune.
Il revint donc auprès de cette femme, se remit à la courtiser, ne la quitta plus et se soumit à tous ses caprices. Et elle ne lui en épargna aucun, et même en inventa tant et plus. Il endura tout, et plus il endurait, plus il voulait cette fortune en dédommagement, et plus il était résolu à l'obtenir. Mais hélas, avant qu'il ait pu arriver à ses fins, c'est elle qui se joua de lui. Un jour, où elle lui criait ses ordres, elle eut une attaque. Elle ne retrouva jamais ses sens. Puis, une nuit, elle porta les mains à sa tête, poussa un cri. Se figea. Et après quelques heures passées dans cette attitude, elle mourut. Et cela, avant qu'il ait pu obtenir sa fortune en guise de dédommagement, que la peste l'emporte, pas un centime. Lui l'avait haï à chaque minute depuis qu'il avait renoué avec elle et avait attendu l'heure de sa revanche. Alors, il imita sa signature sur un document par lequel elle laissait tous ses biens à sa fille, alors âgée de 10 ans, qui en serait seule propriétaire. Et il se désigna lui-même comme père adoptif de l'enfant. Puis, il glissa le document sous l'oreiller. Sur le lit où reposait le corps, et en se penchant, il murmura à l'oreille de la morte, qui ne pouvait plus l'entendre. « Vous, Madame l'Orgueilleuse, cela fait bien longtemps que j'ai décidé que morte ou vive, vous me deviez cette fortune en dédommagement. » Il n'était plus que deux. Lui-même. Et la jolie jeune fille, aux grands yeux naïfs, aux cheveux blonds pâles. Qui allait devenir la jeune mariée. Éduquée dans une vieille demeure à l'atmosphère sombre et opprimante, il confia son éducation à une femme méfiante et fourbe. « Très chère madame, lui dit-il, voici un esprit à former. Accepterez-vous de m'aider dans cette tâche ?» La jeune fille fut élevée dans la crainte de cet homme, bien convaincue que jamais elle ne pourrait s'en libérer. On lui apprit dès le départ à le considérer comme son futur mari, l'homme qui, par devoir, aurait à l'épouser. C'était le noir destin qui pesait sur elle, le sort qui l'attendait et auquel elle ne pourrait jamais se libérer. Sous les doigts de l'homme et de la gouvernante, cette pauvrette était comme une cire douce et lisse. Il modelait comme il le voulait. Avec le temps, les traits qu'ils avaient modelés se durcirent, entrèrent et se fondirent en elle
au point de ne plus pouvoir être arraché sans lui arracher la vie. Elle passa 11 ans dans la sinistre demeure au jardin lugubre. Avec la gouvernante, ils la gardèrent enfermée. Il boucha les amples cheminées, fit voiler les étroites fenêtres, laissa un gros pied de lierre envahir la façade à sa guise, la mousse recouvrir les arbres fruitiers, laisser à l'abandon dans le jardin clos, des herbes folles prendre possession des allées gazonnées et fleuries. Il l'entoura d'images de douleur et de désolation. Il fait en sorte que la demeure et les rumeurs à son propos l'emplissent de terreur. Puis, sous prétexte de démentir ses histoires, il l'abandonnait à la solitude ou la laissait frissonner d'angoisse dans le noir. Et quand elle était au stade ultime de l'abattement et de la terreur, il surgissait de l'une de ses cachettes où il se postait pour l'espionner et se présentait à elle comme son seul sauveur. Coucou. Ah, en apparaissant ainsi, depuis ses plus tendres années, comme la seule personne de sa connaissance qui fut douée du pouvoir d'ordonner et de consoler, du pouvoir d'emprisonner ou de libérer, il s'assura sur cette âme faible un ascendant total. Et alors qu'elle avait 21 ans et 21 jours, il ramena ici dans cette maison cette pauvre âme, effrayée et soumise, après l'avoir épousée 3 semaines plus tôt. Mais bien. Murder scene. The famous murder scene. In a rainy night, he and his bride go back to the place where he has been preparing her for a long time to this marriage.
Rai. Oh, monsieur, c'est l'horloge de la mort qui compte mes dernières minutes. Et alors, y pouvons-nous quelque chose? Oh, monsieur, soyez bon pour moi. Ayez pitié de moi, je vous fais toutes mes excuses. Je ferai tout ce que vous voudrez si vous voulez bien me pardonner. Ma espèce d'idiote, monte dans ta chambre. Je ferai tout ce que vous voudrez. Que crains-tu? Je ferai tout ce que vous voudrez, mais je vous en supplie, pardonnez-moi. Voici un texte que tu devras recopier entièrement de ta main, demain. Il est souhaitable que l'on te voie pendant que tu seras occupé à le recopier. Quand tu auras tout mis au propre et que tu auras corrigé toutes les fautes, fais venir deux personnes parmi les gens qui seront dans la maison et signe le document sur leurs yeux, puis mets-le bien à l'abri dans ton corsage. Et lorsque je viendrai demain soir, remets-le-moi. Je ferai tout cela de mon mieux. Je ferai tout ce que vous voudrez. Alors pourquoi trembler et frissonner ainsi? J'essaierai de pas trembler et frissonner, mais je vous en supplie, pardonnez-moi. Allez, allez. Le savais-tu? Et maintenant, meurs! J'en ai fini avec toi, je ne vais pas te tuer, je ne veux pas risquer la prison pour toi, meurs! Je vous fais toutes mes excuses. Je ferai tout ce que vous voudrez, mais je vous en supplie, laissez-moi vivre! Meurs! Est-ce votre ultime décision? Laissez-moi un espoir! Meurs! Il enterra rapidement la jeune mariée. Et voilà! Ils avaient tous disparu! Et il tenait enfin son dédommagement. The second murder scene. The very famous second murder scene. Yes! Melodrama. Oh, yeah.
sont sinistres. Il voulait s'en éloigner et l'oublier pour toujours. Oui, mais la maison valait de l'argent et il fallait économiser l'argent. Aussi, il décida de la vendre avant de partir. Et pour en donner un meilleur prix, il convenait de lui donner un air moins misérable. Il engagea des ouvriers pour débroussailler le jardin à l'abandon. Lui-même, armé d'une faucille, besognait avec eux, poursuivant ses efforts plus tard que tous. Il resta seul à travailler à la tombée de la nuit. C'était un soir d'automne. La jeune mariée était morte depuis 5 semaines. Près du porche, près de l'endroit où il se tenait, se trouvait un arbre dont les branches se balançait devant la vieille baie vitrée de la chambre de la mariée où la chose avait eu lieu. Tout à coup, il sursauta. L'arbre s'était agité, puis à nouveau il s'agita. Alors qu'il n'y avait pas un souffle de vent. Il leva les yeux. Là, dans les branches, il y avait quelqu'un. Monté dans l'arbre, un homme le regardait d'en haut. Lui, qui le regardait d'en bas. Dans un craquement et un mouvement de branches, l'inconnu descendit prestement et sauta sur ses pieds juste devant lui. C'était un homme jeune et svelte, à peu près du même âge que la mariée, avec de longs cheveux châtain clair. Agrippant l'inconnu au col, notre homme cria : quel est ce voleur ? Le geste du bras que fit le jeune homme pour se dégager, le heurta à la face et au visage, il s'empoignait. Et le jeune homme se libéra d'un bond en arrière et s'écria avec une horreur évidente : ne me touchez pas ! Je préférais que la main du diable se pose sur moi ! Se tenait immobile, faucille en main, à regarder le jeune homme. Dans les yeux de celui-ci brillait exactement le même regard que celui que lui avait lancé la jeune mariée en mourant. Un regard qu'il pensait bien ne jamais revoir. Je ne suis pas un voleur du tout, et même si je l'étais, je ne voudrais pas un centime de votre fortune, même si elle pouvait me décrocher la lune, espèce d'assassin. Quoi ? Cet arbre, dit le jeune homme en le désignant du doigt. Voilà presque 4 ans que je suis monté pour la première fois. C'est pour elle que je suis monté, pour la regarder. Je l'ai vue, je lui ai parlé. Et ensuite, je suis montée souvent pour la contempler et lui parler. Toute sa vie n'a été qu'un long deuil. Je suis montée dans cet arbre la nuit où vous l'avez amené ici. Et depuis cet arbre, je l'ai entendu parler de l'horloge de la mort qui l'attendait à la porte. Je vous poursuivrai jusqu'au jour où vous devrez remettre votre vie aux mains du bourreau. Assassin ! Je l'aimais.
n'avait pas fait le moindre geste depuis qu'il s'était immobilisé pour toiser le jeune homme. Mais à cet instant, il pivota pour le regarder partir. Le garçon était maintenant de dos. C'est alors que lui vit un arc rouge bondir de sa propre main. Il sut avant même de lancer la faucille à quel endroit elle avait frappé. Le garçon gisait face contre terre. La faucille plantée profondément dans le crâne. Il enterra le corps durant la nuit au pied de l'arbre. Lorsqu'arrivèrent les jardiniers, il n'y avait plus rien de suspect et de fait, on ne suspecta rien. Mais il avait suffi de ce moment pour que soient déjouées toutes ses précautions et que soit anéantie sa belle stratégie qu'il avait si longuement mûrie et si parfaitement menée à bien. Il s'était débarrassé de la mariée et s'était approprié sa fortune sans prendre le moindre risque. Mais voilà qu'avec ce crime, il était condamné à vivre pour toujours avec la menace d'une corde au cou. Thunderstorm.
énorme au pied de l'arbre. 10 saisons successives avaient passé. Puis un jour, un redoutable orage frappa cet endroit. Il se déclencha à minuit et fira jusqu'à l'aube. Et au petit matin, le vieux domestique vint informer que la foudre s'était abattue sur l'arbre. Elle avait fendu le tronc avec une force stupéfiante. L'arbre était ouvert en deux sur toute sa hauteur. Mais un peu au-dessus du sol, la cassure s'arrêtait net. Le spectacle attirait de nombreux curieux. Très vite, ils commencèrent à affluer en quantité si inquiétante que je fermai le portail du jardin et refusai de laisser entrer quiconque. Mais des scientifiques se présentèrent, venus de loin dans le but d'examiner l'arbre. Ils voulaient arracher la souche par les racines pour faire des observations sur celle-ci, ainsi que sur la terre qui entourait l'arbre. Ils s'introduisirent de nuit dans le jardin, armés de lanternes, de bêches et de pelles. Toi, tu dormais dans ta chambre qui se trouvait dans une tourelle de l'autre côté de la maison. Mais tu fus assailli en rêve d'images de pelles et de bêches, et tu te levas. Je m'approchai d'une fenêtre depuis laquelle je pouvais voir les hommes avec leurs lanternes. À côté d'un gros tas de terre meuble, la terre que j'avais moi-même retournée puis remise en place la dernière fois qu'elle avait été exposée. À l'air, ils avaient découvert la chose, ils venaient à l'instant même de tomber dessus, tous se penchaient pour regarder. Le crâne a été fracassé. Des os. Des vêtements. Une faucille rouillée. Le lendemain, tu te rendis compte qu'on t'avait placé sous stricte surveillance et qu'il t'était impossible d'aller où que ce soit sans être suivi. Avant la fin de la semaine, on vient t'arrêter et t'emprisonner. On reconstitua peu à peu les circonstances du crime. Avec, à ton encontre, une hostilité acharnée et une ingéniosité accablante. Stop! Voyez. Avec quelle ironie la justice des hommes me fut appliquée. Je fus également accusé d'avoir empoisonné la jeune mariée. Moi, qui avais déployé tant d'efforts maniaques pour ne pas mettre en péril un seul de mes propres cheveux, je fus déclaré coupable et condamné à mort par une bande de misérables assoiffés de sang. Toute ma fortune échoua à me sauver et je fus pendu. Il y a 100 ans de cela, j'ai été pendu dans la forteresse de Lancaster, le visage tourné vers la muraille. Mon corps a été autopsié. Mais avant même qu'on ait rassemblé les morceaux de ma dépouille et qu'on m'ait suspendu à un grappin d'acier, il commença à se murmurer que la chambre de la mariée était hantée. Et c'est bien vrai. Elle était hantée. Et c'est moi qui me trouvais dans la pièce. The bride's ghost. Come in. Mais tu n'étais pas seule. Nous étions tous deux dans la pièce. Toi et moi. Toi dans ton fauteuil au coin du feu. Et moi, rampant péniblement vers toi. Seulement cette fois, ce n'est plus toi qui parlais. C'était moi. Et le seul mot que je répétais du milieu de la nuit
jusqu'au petit matin, c'était vie. Le jeune homme était là, lui aussi, grimpé dans l'arbre devant la fenêtre et se balançant devant la lune au rythme des oscillations de l'arbre. Et depuis, il reste là, à mes pieds dans ma détresse, et au gré de ses balancements, dans la lumière blafarde et les ombres bleutées, on entreaperçoit sur sa tête découverte une faucille plantée en biseau dans ses cheveux. Dans la chambre de la mariée, dans ma chambre, toutes les nuits, de minuit jusqu'à l'aube, sous les yeux du garçon caché dans son arbre, je rampe dans ta direction, en m'approchant toujours, mais sans jamais arriver jusqu'à toi. Dans une clarté lunaire, que la lune brille ou non, et en prononçant toujours cet unique mot, de minuit jusqu'à l'aube, vie. Cependant, le mois précis où tu fus exécuté, la chambre de la mariée reste calme et déserte. Mais pas ton ancien cachot, et pas les pièces de la maison où tu passas 10 ans dans une perpétuelle angoisse. Dans ces lieux vont et viennent les esprits. Santa Uno.
Thank you.
La prochaine chanson a été composée par Thomas Tanis. Je le dédie à mon amoureux trop tôt disparu et aux amours impossibles. Thank you.
femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Et le lendemain, elle lui redemanda les clés. Et elle lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. D'où vient, dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres? Il faut, dit-elle, que je l'ai laissée là-haut sur la table. Ne manquez pas, reprit la Barbe Bleue, de me la donner tantôt. Il fallut rendre la clé. La Barbe Bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme : pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ? Je n'en sais rien, dit-elle. Vous n'en savez rien, reprit la Barbe Bleue. Je le sais, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Amoureux.
Yes! Yes! Yes!
Ich warte auf.